Chers amis, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Nous bénissons bon Dieu pour le privilège de offrir ce dimanche 14 mars 2021. La caille, dans le service. Nous disons merci pour la vie et bon nom dans nos petits Jésus-Christ. Nous même qui pas dit droit à la vie, nous même qui t'es mourir par offense, par péché, mais bon Dieu, rend nous la vie en son Fils Jésus-Christ,
Nous bénissons mon Dieu pour ça. Nous rendons l'action de grâce. Bénissons mon Dieu pour ça. Nous disons merci parce que nous offrons une opportunité pour être capable de prêcher parole, la bonne nouvelle du royaume de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Parole qui mène à la vie éternelle. Nous disons merci pour ça. Et nous profitons l'occasion pour nous saluer chaque de nos frères et sœurs qui, ensemble avec nous, qui a participé dans ce service, ensemble avec nous, chaque de mes frères et sœurs à travers Facebook, ça a été déjà branché, ça a été branché tout à l'heure, pour participer ensemble avec nous à l'enseignement de la parole de Dieu. Nous saluons, nous souhaitons bonne journée, que mon Dieu bénisse chacun de nous. Déjà, souhaitons la bienvenue dans la maison de notre Seigneur sur notre Jésus-Christ. Nous souhaitons une très bonne participation. J'espère que mon Dieu va nous compréhension. Nous sommes capables de continuer à comprendre la parole, pratiquer l'envie, nous, et qu'elle ne passe pas la vie. Sujet nous avons traité pour aujourd'hui, nous baptisons Vous êtes la lumière du monde, partie 2. Ça fait trois dimanches, nous avons traité la question de la lumière du monde. Premier sujet nous avons traité pour le premier dimanche. Et non, c'était le dernier dimanche du mois de janvier, c'était la lumière du monde. Nous avons démontré par ce sujet que c'est mon Dieu qui est lumière qui éclaire le monde. Dimanche dernier, premier dimanche du mois, bon Dieu te permet de étudier ça avec vous. Vous êtes la lumière du monde. Nous avons montré que c'est Jésus qui est lumière du monde. Nous avons montré les disciples de Jésus, c'est eux-mêmes qui sont lumière qui éclaire le monde. Je dis là, disciples, nous parlons, c'est une idée. Donc, c'est nous-mêmes qui est lumière qui a éclairé le monde. Donc, deuxième, partie, quand vous êtes la lumière du monde, c'est les mêmes à traiter, je dis là. Qui objectif nous, à travers l'enseignement ça? Les apôtres, les bienfaisants, les chrétiens, les saints de Dieu, devront comprendre qui ne sont la lumière du monde, qui ne sont la lumière pour éclairer le monde. Ténébreux, au terme de cet apprentissage, ils seront en mesure de partager cette connaissance, cette vérité. Voilà, mes chers amis, objectivement, dans ce sujet, tout le monde, tout chrétien, tout bien-aimé, tous les saints de Dieu, je dois reconnaître que même si c'est lumière qui a brûlé dans le monde qui cherche à ténèbres, et bien, au fait de comprendre ça, à travers enseignement ça, il y a pas mesure que nous-mêmes tout pour partager à le monde. Mais déjà, Paul dit à Timothée ce que tu as entendu de moi en présence du monde. Témoin, confiez à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner. Nous espérons que mon Dieu est béni, que mon Dieu soit. Texte de base qui permet de nous développer. Sujet ça, c'est Matthieu chapitre 5, les versets 14, 15, 16. Alors, nous allons aller rapidement dans le verset de base. Donc, c'est Matthieu chapitre 14, chapitre 5, verset 14, verset 15 et verset 16. Soyons Bible, on doit comprendre là rapidement, pour suivre ensemble avec Matthieu chapitre 5, 14, 15, 16. Nous familiarisons avec ça, puisque l'enseignement passé, c'est nous-mêmes, nous sommes considérés comme enseignement, comme texte de base. Enseignement. C'est Jésus-Christ, dans le discours sur la montagne, les fait déclaration à l'eau à disciples. Qui ça le dit? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous, on la met le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière
luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Verset de base, non? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est Jésus-Christ, c'est que ça, que c'est lumière maintenant. Parce que une ville qui est située sur la montagne, nous avons développé ça pour le dimanche passé. Qu'est-ce qu'une ville située sur la montagne, qui n'est pas cachée? Nous avons pris des exemples ensemble avec vous. On va faire une lumière là pour cacher maintenant, mais il faut être capable d'éclairer. En dans le caille, on va prendre l'homme et on va mettre en carbone. On va prendre l'homme pour cacher, mais il faut mettre l'homme dans son chandelier. Pour l'homme être capable de briller pour tout le monde qui est dans le caille là ou l'homme. C'est pour nous-mêmes, chrétiens, c'est pour nous-mêmes capables d'éclairer devant les hommes. C'est-à-dire c'est pour tout le monde qui est dans le caille. C'est pour nos yeux, les hommes, qui ont vraiment éclairé et que nous-mêmes, il va bénir mon Dieu, il va exalter mon Dieu, il va louer mon Dieu, parce qu'il y a des hommes qui bénissent Dieu, il y a des hommes et des femmes, il y a des servants, des serviteurs, qui ont servi mon Dieu, et bien à travers le service qui a été fait mon Dieu, à travers la lumière, qui a été jaillie, à travers le monde, et bien nous savons qu'on a bénéficié de cette lumière, et autour, et on bénit mon Dieu. Yo exalté mon Dieu, nous fait droit. Alors, l'enseignement de l'Église passée, le 7 mars là, nous montre clairement que lorsque Jésus-Christ dit vous êtes la lumière du monde, nous montre que Jésus-Christ a parlé avec les disciples. Jésus-Christ a parlé monté au ciel, l'a quitté la terre pour aller vers Dieu et vers son trône. Maintenant, il n'est pas sur la terre encore, ça ne signifie que pas bien lumière encore. Jésus-Christ dit, pendant que je suis avec vous, je suis la lumière du monde. Est-ce que ça veut dire immédiatement Jésus-Christ parle encore, pas bien lumière encore? Non. À jour de lumière, c'est Jésus qui a quitté lumière, ça a quitté lumière dans le monde. C'est pourquoi il disait à ses disciples qu'il était la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Maintenant, les disciples de Jésus-Christ ne sont plus là. Disciples de la mourir, disciples de la tombe, ils attendent la première résolution, ils attendent la récompense, le talent. Ils doivent récompenser le travail qui a été fait, qui a brillé dans le monde, à travers la vie, à travers l'action, à travers le comportement, à travers notre vie. Nous avons ça dimanche passé. Disciples de la parole encore, est-ce que ça veut dire par les liens encore à venir dans le monde? Ça va me dire ça. Toujours des lumières. Avec lumière, c'est l'Église qui a brillé. Lumière, c'est les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. C'est le même, je dis là, qui c'est lumière qui a éclairé mon âme. Les disciples, encore, ils voient pas. Jésus parle encore sur la terre, mais lumière, ça, l'Église toujours à briller. Même Jean à l'autre, ça, même Jean a vu sa résurrence, qu'on n'est pas capable de mettre en bas, il a mis la ville sur tête molle, il n'a pas construit la ville dans la plaine, il a construit la molle, parce qu'il n'est pas capable de cacher depuis la molle, tout le monde a vu. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est pour montrer, c'est une comparaison, pour montrer que tout le monde peut faire servir au Dieu. Faut tout le monde voir dans où cette lumière a clé, a brillé. Même Jean avait vu ça, qui n'a pas bon, quel que soit côtoyé, ouais, il est là. Même, ou même en tant que chrétien, quel que soit côtoyé, il n'a pas identifié en tant que tel. Même Jean, où t'es deux, où t'es deux, où t'es la carte, il fallait toucher par la patrouille. L'autre, quand vous passez quelque temps, maintenant qu'elle a clé
Donc, il y aurait tout ça comme la caille là, ouvert, ouvert. Maintenant, c'est ça, la lumière, c'est éclairé. Avec Jésus-Christ, dit même Jean, avec lui, ça va être comme lui. C'est pour nous donner lumière capable de briller. Tout côté de nous, tout autour de nous, tout entourage nous doit briller, nous éclairer, entourage nous, en tant que chrétien, en tant que serviteur du Dieu. Maintenant, la question que nous devons nous poser, mes chers bien-aimés, comment chrétiens sont capables d'éclairer l'entourage, tout autour de lui, tout le monde qui est en contact, tout le monde qui est dans l'environnement, tout le monde qui a côtoyé, tout le monde qui a fréquenté, tout le monde qui est dans zone côté passé. Comment chrétien est capable de briller tout autour de lui? Ça, c'est une grande question. Comment les chrétiens peuvent-ils éclairer leur entourage? Amen. Là, on a trois éléments de réponse. Ces trois éléments de réponse ont constitué le socle de notre enseignement de ce jour. A constitué base enseignement. Je dis, lorsque nous disons, c'est le chrétien, c'est nous lumière aujourd'hui, qui a brillé dans le monde. Qui a brillé comme des flambeaux dans le monde, c'est nous-mêmes chrétiens. Mais comment on a brillé comme des flambeaux dans le monde? Comment on a brillé, alléluia, tout autour de nous-mêmes, toute zone nous pile, tout côté de passé, dans l'environnement, nous, comment on a brillé comme chrétien, comment on a fait ça? Nous sélectionnons trois éléments de réponse pour vous. Comme je le disais tantôt, c'est ces trois éléments de réponse. C'est donc ces trois éléments qui constituent le socle, la base même de notre approche. À travers ce sujet, vous êtes la lumière du monde. Eh bien, nous disons comment? Premier bagage, premièrement, après la question comment, nous disons les chrétiens de l'église d'aujourd'hui, bien entendu, doivent savoir qu'ils ne sont plus les ténèbres. Premier bagage. Pour capable briller, il faut qu'on connaisse la lumière. Si on ne pas connaître, si on ne pas reconnaître pour ces lumières, comment on la fait briller? Il faut qu'on soit pour capable d'agir en tant que tel. Dans la mesure où nous ne pas connaître qui ça nous est, par conséquent, nous avons la magie, etc. Si nous ne connaissons pas cette lumière, comment elle fait briller? Nous ne connaissons pas cette lumière, mais nous ne pouvons pas briller. Nous ne pouvons pas la lumière, nous ne pouvons pas briller. Ce n'est pas possible. Il faut que nous connaissions que cette lumière brille. L'homme connaît en tant que chrétien, moi, cette lumière modèle, laisse ça, ne pas briller tout autour de moi, tout le monde qui est en contact. Tout le monde qui est dans l'environnement, là, ça, il y a capable de briller. Mais dans un premier temps, il faut qu'on reconnaisse ça. Il faut qu'on soit comme ça. Il faut qu'on connaisse comme ça. C'est pourquoi les disciples de Jésus disent que c'est lumière. Pourquoi les disciples reconnaissent que c'est lumière? Et ça, quand on te montre comment on va briller, notre action de Paul, l'action de Pierre, l'action de Jean. Alléluia. Nous te voyons comment ça t'a passé avec le dimanche passé, nous verrons comme ça. Et nous te vois comment tu as glorifié mon Dieu. Et mon autour de yo, mon qui te l'entourage, mon qui t'a fréquenté, t'a béni mon Dieu pour ça que Dieu fait. C'est la même chose, hein. Les disciples ne sont pas là. Eh bien, nous devons connaître, c'est nous qui c'est lumière. Mais avant que les disciples ne sont plus là, Jésus-Christ n'est pas n'est plus là, donc il n'y a plus de lumière dans le monde. Non, vous êtes en lumière, ça veut dire nous, les chrétiens de l'église de Christ, qui sommes cette lumière qui doit briller partout où nous passons. Quel que soit le lieu, à quel que soit l'endroit, tout le monde doit renouveler en lumière. Mais comment, dans ce premier temps, il faut qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas en ténèbres encore. Il faut qu'on reconnaisse qu'il y a une opération qui opère dans la ville, il y a un changement qui fait dans la ville. Nous sommes dans un stade, maintenant nous sommes dans un stade. Nous franchissons étape. Étape là, nous sommes dans ténèbres. Maintenant, nous sommes dans la lumière. Alors, on reconnaît plus la lumière. On va agir avec la lumière.
pour la briller en tant que tel. Considérons quelques versets pour nous clouer ça. Entre Ephésiens 5, verset 8, nous avons considéré trois textes. D'abord, on a pris Ephésiens 5, le verset 8. Ephésiens chapitre 5, le verset 8. Qui s'en lit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 8? Apôtre Paul dit avec Ephésiens, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Autrefois, qui s'en est des ténèbres, qui est de nos ténèbres lorsque nous partons en Christ, lorsque nous partons servir mon Dieu, nos ténèbres, nous expliquons que ça ténèbre dans le jour de l'enseignement passé, nous avons étudié le lumière du monde. Ou pas ténèbres encore, vous allez les ouvrir. Ouais. Autrefois, il y a la ténèbre. Lorsque nous parlons comme mon Dieu, lorsque nous parlons faire service mon Dieu, nous parlons marcher avec mon Dieu parle faire soin de nous. Nous sommes tout le monde qui mourit. L'homme ténèbre, c'est de nous sommes qui mourit. Nous sommes qui plongés dans l'abîme. Nous sommes qui n'ont pas connaissance par mon Dieu. Nous sommes qui sans Dieu, sans espérance dans le monde. Laisse-toi dans les ténèbres. Ou capable dans l'église, tout ou dans les ténèbres. Si mon Dieu peut ouvrir les yeux, si vous pouvez comprendre rien dans mon Dieu, si vous avez intelligence, si vous avez connaissance par mon Dieu, si vous avez sagesse, si vous avez rien du tout, malgré qu'on est dans l'église, mon corps ténèbres. On dit longtemps, on dit bien, mais je dis à nous, c'est lumière. Puisque je viens nous reconnaître que c'est lumière, laissez-moi capable de briller. Et ça ne fait pas dire marcher comme des enfants de lumière. Faut d'abord. Ou connaître au partenaire encore. Et maintenant, vous allez marcher tant que monde qui est en lumière. Tant que petit bon Dieu qui est en lumière. Les enfants de jour, ou cessent d'être des enfants de nuit, c'est-à-dire les enfants de ténèbres. Maintenant, les enfants de jour, c'est-à-dire les enfants de lumière, mon partenaire, mon Dieu. Pour les bagarres, il faut reconnaître que où c'est lumière, c'est les enfants de ténèbres encore. Longtemps, oui, vous êtes en ténèbres. Mais aujourd'hui, ou franchir dans l'autre état, ou pas dans les records, maintenant on a lumière, ou doit comme ça. Tout chrétien doit connaître, c'est eux qui lumière là. De ce point de vue, je veux briller partout, côté où passé. On a procédé au deuxième texte, nous parlons 1 Pierre 2, le verset 1. 1 Pierre au chapitre 2, le verset 1. Qui s'apporte Pierre dit? Pierre dit à Jésus, vous, au contraire, non, même, vous êtes une race élue, nous pas n'importe monde. Hein? En tant que chrétien, vous ne connaissez pas n'importe où. Vous êtes une race élue. C'est-à-dire vous passez dans l'élection, mon Dieu, là. Donc, vous faites partie de la famille. Vous faites partie de la famille de Dieu, de la famille royale. C'est pourquoi Pierre dit, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte. C'est mon saint coïn. C'est lumière coïn. Vous devez lâcher la sainteté parce qu'on parle des ténèbres entre vous. Lorsque vous avez des ténèbres, vous avez marché dans l'intimité, dans ma propreté, vous avez joué. Maintenant, quand vous êtes lumière, vous êtes un peuple saint, vous êtes une race sainte, vous êtes une nation sainte, vous êtes un monde qui saint. Donc, vous le vivez dans la sainteté. Bien dit, vous êtes un peuple à qui? Vous n'avez pas, où sont les acquis? Vous êtes acquisition de vous. Par l'amour de Jésus-Christ. À quoi? Vous sur le monde. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mon Dieu, et si vous voulez maintenant que vous ayez, et maintenant, les mettez-nous dans l'admirable lumière. Et de ce fait, on va faire service, mon Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compréhensible? Ça me dit.
c'est lumière. Bon Dieu, faut passer des ténèbres parce qu'on a de la lumière. Laisse ça, on va pas, pas enseigner une parole de Dieu. On va pas mener le monde à la vie éternelle. On va pas instruire le monde à la sagesse de Dieu. On va pas éclairer le monde, puisque on parle de ténèbres. Puisque c'est le genre de jour, donc on va pas glacer le monde. On va pas avoir les vertus chrétiennes. Mais ça va pas briller tout ce qui est passé à travers le comportement. Dernier texte, on a bâti ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 5, c'est une déclaration de l'apôtre Paul au peuple qui vivait à Thessalonique. Mais ça peut dire à Thessaloniciens, vous êtes tous des enfants de lumière. Et des enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, on fait pour comme ça, pour que vous fassiez un pas positif dans l'entourage, pour que vous ne soyez pas enfant de nuit ou pas enfant des ténèbres. Mais pour ces enfants de la lumière. Donc, en ce moment, nous sommes enfants de la lumière. Laissez-moi ma cap produire ou mon Dieu. Laissez-moi ma cap briller par comportement, quelle que soit la zone, quelle que soit l'endroit où on passe. Alors, nous disons, premier élément, premier point, c'est que moi, capable, connaît que moi, c'est enfant de lumière. Les chrétiens, pour oublier l'entourage d'eau, premier élément, ils doivent savoir qu'ils sont des enfants de lumière. Ils doivent comme ça, ils doivent comme la ténèbre encore. Maintenant, c'est petite lumière qui est là. C'est enfant de la lumière. Deuxième élément, lorsque maintenant, vous connaissez ou pas la lumière, ou pas la ténèbre encore, lorsque vous connaissez enfant de lumière, vous voyez, enfant de jour, il y a deux bagages ouverts pour vous. Il y a un. Ou bien dépouiller des hommes de ténèbres. Deuxièmement, ou bien amener des hommes de la lumière. D'où notre deuxième point. Ils doivent se dépouiller des hommes de ténèbres et de revertir les hommes de la lumière. C'est Paul qui dit ça dans Romains chapitre 13. Le verset 12. Parce qu'on peut ne pas la terre encore, parce qu'on peut essayer de faire de lumière plus lumière, avec toute sa ténèbre qui dans la vie nous font dissiper. Toute sa ténèbre qui dans la vie font éliminer, font éradiquer, font nettoyer la vie de toute sa ténèbre. Tout aliment ténèbre qui sous moi, font dépouiller de nous, font déshabiller de nous. Et maintenant, pour mettre l'autre âme sous moi, pour mettre l'autre habit sous moi, pour appeler ça les âmes de la lumière. Pour me revêtir des âmes de la lumière, parce que par le monde, comme si on l'autre monde. Puisque la Bible a vraiment montré que c'est un âme de la lumière, en tant que tel, tout ça par lumière qui n'a moins, il faut me débarrasser. Tout ça par lumière qui n'a moins, il faut me retirer la vie, pour dépouiller de nous, pour que nous soyons capables de mettre la réalité sous moi. Pour aller ça les âmes de la lumière. Quelque part, aller ça les âmes de l'esprit. Alléluia! Est-ce que c'est ça? Eh bien, nous allons lire le texte là. Romains, chapitre 13, le verset 12. Pour nous dépouiller, nous. Des œuvres de ténèbres. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? On a habillé, on a converti avec les âmes spirituelles. Romains chapitre 12, verset. Romains chapitre 13, verset 12. Se lit ainsi. La nuit est avancée. Le jour approche. Et on a fini. Tant pour un mondial établi, il presque arrivé. La nuit est avancée. Le jour approche, c'est pas le jour naturel, c'est pas la nuit naturelle. C'est la nuit, temps va finir. Jour pour un monde établi, parce qu'il veut.
Qui ça qu'on fait en tant qu'enfant de lumière? Paul dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. D'où quelle question à se poser? Paul dit, c'est pour nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Deuxièmement, on est le type des armes de la lumière. Deuxième question à se poser pour la compréhension de ces textes. Première question, quelles sont les œuvres de ténèbres? Deuxième question, quelles sont les armes de la lumière? Dans le texte, ça, Romains chapitre 13, verset 12, Romains chapitre 12, verset 13 de préférence. Dans Romains chapitre 12, verset 13, il est question des œuvres des ténèbres. Il est question, mes chers bien-aimés, des âmes de la lumière. Pour nous échapper, pour nous retirer la vie, pour nous retirer le sommeil. Deuxièmement, pour nous habiller avec. Qui est-ce? Quels sont? Donc, comme on est, pour nous briller, comme des flambeaux de l'homme. Pour me capabouiller tout autour de vous, pour me capabouiller, c'est une petite lumière, c'est une lumière, moi c'est une lumière, moi c'est une lumière, moi c'est forme qu'on est. Nous posons la première question, quelles sont les œuvres des ténèbres? Donc, parle quoi? Nous allons regarder, nous allons regarder Romains, chapitre 13, le verset 13. Parce que Paul tout dit, Paul fait une pose de question, Paul dit, c'est pour débrouiller, non? Donc, les œuvres des ténèbres, dans Romains 13, verset 12 là, dans verset 13 là, on dit quelque chose. Romains 13, verset 13. On dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, mais ça peut tenir de nous tirer dans la vie, nous. Loin des excès et de l'ironie. C'est-à-dire, chrétien par monde qui doit péder vers l'état fiable. Chrétien par monde qui doit arriver à l'état divers. C'est-à-dire, mon en sous. Il y a l'état divers. Sinon, dis-nous, c'est lumière, il faut nous débarrasser, nous, de l'excès. Pas fait excès de zèle. La Bible dit excès en tout. Nous, vivre la vie d'une façon qui fait mon Dieu plaisir. Vivre la vie d'une façon, tout le monde qui est alentour, capable de bon témoignage, nous, capable de faire des choses sur le cerveau de Dieu. Ou pas bien pour faire excès dans rien. Ou pas bien pour faire excès sous le monde. Vivre la vie d'un mon Dieu, mon Dieu. Pas fait excès, parce que excès en tout. Coupé, évoluer. De la rupture. Et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas capables de nous faire vivre ensemble. Nous ne sommes pas capables de ensemble. C'est querelle, une parole de l'autre. Nous n'avons pas boumé à quoi. Une jalousie position pour Dieu de l'autre. Une jalousie capacité de bien. Une jalousie statut économique, statut financier, statut intellectuel, statut spirituel, ou jaloux, ou pas le voir avancer, l'une opposition, mais c'est au tabou là, ou pas le voir pour ça, ou jaloux dit ça. Il dit la jalousie rend l'homme méchant, donc le jaloux a dit méchant. Parce que si on a possédé la guerre, il faut que nous jaloux dit ça, ou pas le ça. Alors mon Dieu, les étés, frère, telle soeur en dignité, ou laissez au tabou là, donc ça va faire bien, ou jaloux. La Bible dit ça, ce sont les œuvres des ténèbres qui ont eu. Oh mon Dieu, mon Dieu, pour nous débarrasser, mon Dieu. Si nous voulons briller comme des flambeaux dans le monde, si nous voulons briller tout autour de nous-mêmes, si tout le monde qui nous entourage nous capable de nous comme chrétiens, il faut que nous capables de débarrasser de ces œuvres ténébreuses. Après, on a le texte, voilà, Deutéronome 18, après verset 9 pour arriver dans verset 14. Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 14. Qui ça nous joint dans Deutéronome 18, verset 9 à 14?
parlé. Lorsque c'est mon Dieu qui a parlé avec Moïse, et Moïse lui-même l'a bien pour instruire le peuple la parole de Dieu. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Nous avons entré dans la nation, nous avons entré dans le pays en Italie, nous avons entré dans le Canada. Amen. Lorsque nous avons entré dans le pays que bon Dieu parle à nous, hein, la terre du Canada, nous ne devons pas apprendre à imiter l'abomination païenne, l'autre nation. Donc, les œuvres ténébreuses dont il est question dans ce texte, c'est donc les abominations. Bon Dieu parle de la ça, c'est pas un qui pratique. En tant que chrétien, faut pour des fouillots. C'est vrai, l'autre peu chrétien, autrefois, où tu es pour ça, parce que tu es dans les ténèbres. Maintenant que vous êtes dans la lumière, vous êtes même lumière. Faut qu'on a des fouillots, le bagage, ivrognerie, excès, jalousie, querelle, abomination. On continue, verset 10. Qu'on ne retrouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. La caille par un jour, ouais, bagaille ça. Moi, quand je suis dans le télé, je veux une petite fille, je veux rouler, parce qu'on a du feu. Il y a une civilisation, il y a des sacrifices pour offrir avec mon Dieu, son petit monde pour la guerre, mon Dieu. Ah, ça, c'est abomination. Mon Dieu dit Moïse, pour le peuple là. Pinga, je rejoins dans le temps, personne, aucun parent, t'as pris un petit fil ou un petit garçon pour passer dans du feu. C'est ça, abomination. C'est pour Dieu, pour Dieu, nous lui, ça, un terrible. Personne qui exerce le métier de divin, le métier d'astrologue, le métier d'augure, le métier de magicien, le métier d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les levains, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc, si vous avez mon Dieu, si c'est petit mon Dieu, ou le carton de la Bessayo, parole de Dieu, il y a abomination. Nous même si c'est mon Dieu, pas permet de pratiquer. Vous savez, enfant des ténèbres, aucun problème qu'à pratiquer. À partir du moment où vous cessez d'être enfant de ténèbres, maintenant, vous êtes enfant de lumière, soit jeune bagaille ça, il faut suspendre, pratiquer. Donc, on a des gens qui l'église, et le carougan, etc., il y a dans la magie, dans toute bagaille, tandis que vous c'est l'église. Ou pas l'église là. Ou pas lumière, ou c'est ténèbres. Ou l'église, c'est mon style ténèbres. Ou style enfant de ténèbres. Parce que on a pratiqué bagaille ça. Longtemps qu'on a pratiqué, il était pour le Christ. Il faut qu'on quitte derrière, il faut des avions avec nous, il faut qu'on connaisse les âmes de la lumière. Jean-Paul dit ça dans Romains 13, verset 12. Alors, pour nous parler de. Bon Dieu parlait par la bouche de Moïse de divin. Bon Dieu dit Moïse, il ne faut pas pratiquer le divin. Qui est le divin? Donc, aussi, dans le monde de personnes qui prétend découvrir ce qui est caché, prédire l'avenir par les moyens qui ne relève pas d'une connaissance naturelle ou ordinaire. Donnez ça le vin. Dans le sens où il y a un gant. Dans le sens où il y a un gant. Il y a un gant. Hein? Mounsa, voilà, kali, mais il y a la kali. Mounsa, eh ben, y a, pour Mounsa, deux pour ça qui caché. L'abdou de Diabla a monté, l'abdou de Diabla a dit. Hein? Mais ce n'est pas moyen naturel, c'est la connaissance naturelle, ce n'est pas la science. Mon entend pour études scientifiques, par exemple, et il y a l'étude scientifique, là, il y a l'étudier la médecine, par exemple, il y a l'étudier la médecine, le docteur a dit, il y a des problèmes de revenir, conformément avec l'appareil technologique, par rapport à l'équipe qui le fait. Hein? Non, ce n'est pas mais, moyen naturel, mais moyen ordinaire. Mon ça, c'est l'esprit qui accompagne, qui a fait le champ de la salle. Donc, on monde qui consulte mon salle, on monde qui pratique. Métier de divin,
que les ténèbres soient au dépourvu de la vie. Astrologue. Le chrétien n'est pas un astrologue. Personne qui pratique l'art de prédire le destin des hommes par l'esprit des influences supposées des astres. Vous avez fait étudier les astres et la partie de type étudier, vous avez fait prévoir ce qui va passer à nous. Vous avez fait prévoir le destin. En tant que chrétien, le destin n'est pas la même, le destin n'est pas la même. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le destin de l'éternel qui s'accomplit. Donc, vous avez pour nous dire, mais ça n'est pas lui. On va construire dans le monde, et puis celui qui fait des arbres, des planètes, soleil, etc. etc. étoiles, les voiles sont multiples ici, nous sommes multiples ça. Donc, en plus, le monde qui dit l'église, il faut construire le monde ça. La Bible dit ça, abomination. Il faut que nous dépouillions des abominations. Pour qui ça? Parce que nous sommes des enfants de la lumière. Pour parler de. Bon, je parle de augure dans le texte. Augure, c'est une personne qui observe certains signes afin d'en tirer des brisailles. Vous savez, vous savez, les signes à tirer d'eau, tel signe me salvez, tel signe me salvez, tel signe me salvez. Vous avez interprété le mot. Bon, je parle de ça. Magicien, personne qui pratique l'art de produire des phénomènes inexplicables ou extraordinaires. Enchanteur, personne qui pratique la magie pour séduire quelqu'un. Hein? C'est ça qu'un chanteur. Mon nom, il a pratiqué magie pour qu'il séduire des garçons, puis une femme par exemple. Avec les pâques à cause de la fille à qui la parle, la magie pour séduire qu'il a. De même, il y a une fille qui met un garçon pour marier avec un garçon par elle-même, avec la vie de la magie, il y a les gens enchanteur. Personne qui pratique l'art de produire des phénomènes inexplicables ou personne qui pratique la magie pour séduire quelqu'un. Donc, l'autre dans le monde, c'est comme ça, mais l'autre dans mon Dieu, ou pas qu'il y ait même pratique. Mon pauvre cœur qui dit, ou changez de maître, changez de métier. Ou t'es un chanteur, l'autre enfant de ténèbres, maintenant, vous êtes dans la lumière, vous cessez d'être des gens. Des enchanteurs, parce que c'est petit mon Dieu, ou c'est lumière. Pour nous tous les enchanteurs par les rues, faut que le monde devienne le monde, faut que le monde change, faut que le monde transforme. Le même que la gloire de mon Dieu, le cap qui te pratique par les rues, maintenant pour y pratiquer les vertus chrétiennes. Jean-Paul dit ça. Il parle de évocateur, personne qui a le pouvoir d'appeler ou de faire apparaître des esprits, ou les démons par la magie. Donc, qui peut faire l'esprit descendre, les démons par là. Nous les mots salés évocateurs. Donc, moi, pour parler de lui qui a consulté les morts, qui a consulté les esprits de mort, en Haïti, dans les pays, on le connaît bien. Nous, 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 quand les esprits des morts, ils font parler, ils même dit dans un pays, ils font faire lever, ils font parler, ils font ça au nécrologue. Ça, yo, pendant mon Dieu, pratique ça, yo, pas chrétienne, c'est pratique monde qui dans les ténèbres. Pour mon Dieu, c'est nous dépouiller de yo, parce que nous parlons encore. Nous dépouiller nous des âmes des ténèbres pour nous capables habiller nous avec les âmes de la lumière. Donc, dans le dernier texte, dans ce sens, ça, côté par le Dieu Manélo pour dépouiller nous de toutes œuvres ténèbres. Qui s'en a fait là, on a dit quelles sont les œuvres des ténèbres. C'est où on a élu au bout là. Maintenant, on va dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Ils en ont dit. Dans Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'œuvre des œuvres de la chair ou des œuvres des ténèbres. Les œuvres qui peuvent faire service de Dieu. Les œuvres qui peuvent suivre Christ. Les œuvres qui sont dans l'esprit démoniaque. Les œuvres qui sont dans la puissance satanique. Les œuvres que Satan a mené. Lorsque nous parlons de Dieu, on va vivre selon la chair. Donc nous serons dans les ténèbres. Paul dit non, mes hommes, nous ne pas vivre dans les ténèbres. Les hommes, ça y est, manifeste. Ou qu'à voir un enfant, il y a un enfant, comme Dieu l'Église, ou qu'à voir. Pour citer, l'Église, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les tissages, il n'est pas jamais satisfait, non, il n'est pas jamais il veut dire ça, les excès de table et les choses semblables. Donc, les sacrés dans l'incapacité contre les cités, mais Paul dit tout ça semblé à Dieu. Nous sommes dans les néonomes, plusieurs, puis mon Dieu, cité. Paul dit dans la liste, mon Dieu, mais on va vivre dans la publicité, on va vivre dans l'intuité, on va vivre dans la dissolution, on va vivre dans l'idolâtrie, on va pratiquer l'idole, on va vivre dans la magie, on va pratiquer magie, ou inimitié, c'est-à-dire on va vivre dans le monde, ou toujours en querelle, ou jaloux parce qu'on va rien, rien encore pour le monde, on va vivre dans l'animosité, ou toujours à discuter, on va discuter, on va discuter, on va jouer, de parole, on va ça, on va nous jouer, et la chose, l'évoluer, ou son ivrogne, ou à vivre, ou tout à l'état divers, ou sous, ta fille a fini à voir, les excès de table, pour aller toutes choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui promettent de telles choses méritent point le royaume de Dieu. Quel que soit mon milieu, on dit l'église, ou tout le monde en situation, ça, par exemple, on va nous sauver. Faut que même, sinon, il s'appelle la vie, nous sommes débarrassés. Parce que lorsque le Christ nous cesse d'être des enfants des ténèbres, hein, nous ne sommes plus des enfants ténébreux, maintenant nous sommes enfants de la lumière en tant que tel, nous devons marcher. Hein, nous devons marcher comme enfants de jour, comme enfants de lumière, parce que nous ne sommes plus enfants des ténèbres. Axayo, comportement ça va avec nous comme chrétiens. Nous sommes lumière, pour que lumière nous va briller. Comment il vient de faire briller si donc tout le monde est dans la vie? Non. C'est la carte parole pour nous, les gens de comportement sérieux. Nous autres chrétiens, nous devons travailler davantage la vie, nous, au fur et à mesure, Si nous avons une dans la vie pour changer, si nous avons deux dans la vie pour changer, si nous avons trois dans la vie pour nettoyer nos livres, si nous avons quatre dans la vie pour nettoyer nos livres, si nous avons cinq, six, si pas mal, nous avons tout dans la vie, nous. Et en vrai, je l'ai prié, nous avons Dieu, grâce, pour que nous ayons tout bien ça. De telle sorte que nous sommes véritablement en lumière et que tout le monde est capable de lumière, nous sommes capables de parler de nous comme enfants de lumière, nous sommes capables de bonnes œuvres, et tout le monde est capable de bénir mon Dieu, de bénir mon Dieu, de bénir mon Dieu, de bénir mon Dieu, alléluia, de la repentir, de la convertir, de la faire service, mon Dieu, même j'avais moi. Donc nous devons cesser d'être des enfants des ténèbres, tandis que dans l'église, hein. C'est-à-dire que dans l'église, nous sommes capables de comportements ténébreux. Nous sommes capables d'afficher des comportements de ténèbres. Mais par le bon Dieu dit non, sinon comme ça, nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. Afin de sauver, nous attendons ta voisin, mais nous ne pouvons pas attendre la caille pâle. Si nous voulons attendre, afin de sauver la caille, réfléchis, gardez un petit accord dans la vie. Même j'aimerais même qu'après avoir un petit accord dans la vie. Pour qu'on a l'issa pour le citer, et la l'issa pour le citer, et le Deutéronome, non? Pour moi, qui est-ce qui nous la donne, qui est-ce qui nous la donne, dans le Deutéronome 18, dans son livre, on a qui est-ce qui nous la vie, ou qui est-ce qui nous la vie? Ça nous la vie, ou même, pour nous prier, pour nous demander mon Dieu pitié, pour nous demander de grâce, pour nous dire qu'il y a pitié pour nous, et nous n'avons pas du vieux sentiment, ça va pas nous voir la vie éternelle. Mais si nous étions dans la vie, nous, n'a mourir avec nous, n'a style mourir dans les ténèbres, et n'a aucun moyen pour vous qui mourir dans les ténèbres pour les prendre à la vie éternelle. C'est pas moi qui dis, c'est parole de Dieu qui dit. Paul dit, je vais aller ça, yo. Paul dit, je vais aller ça, yo. Ça peut le passer. Si on a nous-mêmes, même si on te dit ça d'avance, même si on parle ça d'avance, je dis ça déjà. Si on monde, pour tout le monde qui commet, Axayo ne pas hériter le royaume de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de lumière, lorsqu'il prononce enfant de lumière, on ne peut pas vivre dans les ténèbres encore. Premier bagarre pour faire, on vient pour débrouiller des heures des ténèbres. Deuxième bagarre pour faire, on vient pour adieu avec les âmes de la lumière. Alléluia. On vient pour adieu avec les âmes de la lumière. Maintenant, la question. Quelles sont les âmes
de la lumière. Nous se posons la question, quelles sont les âmes, quelles sont les âmes des ténèbres dont Paul parle dans Romains chapitre 13, le verset 12. Maintenant, nous prenons montrer, nous posons la question qu'il y a là, quelles sont les âmes de la lumière. Nous sommes dans les âmes des ténèbres. Nous posons la question, quelles sont les âmes des ténèbres. Nous répondons à la question. Maintenant, deuxième question, quelles sont les âmes de la lumière? Donc, nous débrouillons-nous. Les films qu'on annonce la lumière, nous débrouillons-nous. Les films débrouillons-nous, nous n'avons pas habillé. Si nous déshabillons, nous n'avons pas venir, mais il faut habiller. C'est clair. Si nous déshabillons, c'est la lumière qui est toute sa qui est dans la vie. Toute œuvre de l'hébreuse qui est dans la vie. Mais pour nous, il faut habiller, nous n'avons pas déshabillé. Si nous déshabillons, toute vie est dans la vie. Tout le monde est encore. Parce que m'bakabre ni faut m'habiller. Si m'peux habiller avec des œuvres des ténèbres, vous retirez tout aliment ça dans la ville. Maintenant, vous reformatez la ville, nous faisons remplacer le bagage. Même si vous avez un téléphone avec un virus, maintenant, qui sont faits pour ce téléphone-là. Nous avons fini ce téléphone, nous avons fait ça. Vous avez organisé une application là-dedans pour capable de fonctionner. Jean, chrétien, hein? Les films dépouillent les âmes des ténèbres. Paul dit que c'est pour habiller maintenant avec les âmes de la lumière. Nous autres, nous posons des questions ça. Quelles sont les âmes de la lumière? Les âmes de la lumière, en pile, nous avons énuméré quelques mots. Et nous partageons le verset biblique avant et pour voir ça. Nous dit les âmes de la lumière qui est sur c'est la vérité, la justice, le zèle. La foi, la parole de Dieu. Notez qu'à bon pile, en pile, nous avons ça. On dit, Zam, lumière, qu'est-ce que c'est la vérité. Partagez la vérité. C'est la justice. Il faut les zèles pour le service de Dieu. Il faut qu'on ait la foi. Il faut qu'on ait la parole de Dieu. La vie. Laisse ça, on dit que c'est enfant de lumière. Parce qu'on est Zam, lumière. C'est ça, Paul, exprimé dans. Éphésiens 6, verset 11 à 17. Le valide texte, en fait, c'est tout ça, nous sommes là, la vérité, la justice, le zèle, la foi, la parole de Dieu. Dans le texte, chapitre 2, Éphésiens 6, verset 11 à 17, il s'appelle dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Hein? Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Les âmes de Dieu, ce sont les âmes de lumière. Les âmes de la lumière, pourquoi? Parce que Dieu est lumière. Parmi les théories, ça, première partie d'enseignement, premier tranche d'enseignement, c'était Dieu est la lumière. Ah, la même moto, également, son fils Jésus-Christ, est la lumière du monde. Dimanche passé, nous te montrons les disciples qui sont lumière. Jeudi, c'est nous qui lumière. Eh bien, puisque mon Dieu, c'est lumière, les âmes de Dieu, ce sont les âmes de lumière. Prenez le revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Les âmes de Dieu, ce sont les âmes de la lumière. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi? Prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Paul dit, ayez à vos reins la vérité pour ceci. Pour mes âmes, vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Soyez habillés avec justice, mon Dieu, comme cuirasse. Mettez vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de Dieu. Le zèle dans sa vie, mon Dieu, c'est nos âmes. Ils ont dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. La foi, c'est vos amis. Avec bouclier, ça, on est capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. 17, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une grosse âme spirituelle, une grosse âme de lumière que les chrétiens nous louent, gagnent, qui veulent faire service à mon Dieu. Dans l'occasion, si vous faites ça, nous allons développer l'âme à vous, nous allons entrer dans les détails dans l'autre occasion. Dans l'occasion, pour faire ça, bien entendu. Donc, nous allons clairement, mes chers amis, pour nous, là nous reconnaissons que c'est chrétien,
Là, nous connaissons nos enfants de lumière. Là, nous connaissons nos parents qui ont le corps. Nous disons que nous avons fait. Nous avons dépouillé de toutes les œuvres du monde, de toutes les œuvres des ténèbres. Nous avons habillé nous avec les œuvres de la lumière. Maintenant, troisième et dernier point de notre enseignement, les enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui qui ont fait servir bon Dieu, ben, ils doivent pratiquer les bonnes œuvres. Hein? Vous sommes en train de vous connaître sans la lumière. Maintenant, vous dépouillez des œuvres de la lumière, des œuvres de ténèbres, ou habillez avec les œuvres, avec les âmes de la lumière. Maintenant, ça va pousser à pratiquer ça qui est bien. Ça va pousser à pratiquer les bonnes œuvres. Et tout le monde va avoir bonnes œuvres, ou il va rendre bon témoignage. C'est ça que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 16 là. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour que vos bonnes œuvres, comment est-ce que vos bonnes œuvres sont bonnes œuvres par manifeste? Comment est-ce que vous pratiquez vos bonnes œuvres si? Comment vous pouvez faire vos bonnes œuvres si vous-même pas pratiquer les bonnes œuvres? Faut que vous pratiquiez pour capable après, pour y aller glorifier mon Dieu. C'est pourquoi on dit, enfants de la lumière, nos autres chrétiens, en tant qu'enfants de la lumière, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Mon Dieu, on va le ça. On va le bonnes œuvres dans la vie. Il a béni mon Dieu. Il a effectivement, ces lumières, à briller tout autour de nous. Question, comment pratiquer les bonnes œuvres? Nous, il faut que nous pratiquions les bonnes œuvres. Question à poser maintenant, comment on est capable pratiquer les bonnes œuvres. Nabarou et deux éléments de réponse pour mettre fin à l'enseignement jeudi. Comment pratiquer les bonnes œuvres? Première réponse. Comment pratiquer les bonnes œuvres? Nous disons. Et réponse est un peu longue, mais d'abord deux éléments de réponse. Le premier élément Nabarou, en ayant l'amour du prochain. Première réponse, hein, tu peux prouver que ou si on fait de lumière, on pratique les bonnes œuvres, il faut qu'on aime le prochain. En ayant l'amour du prochain. Comment on pratique les bonnes œuvres? Eh bien, une façon de pratiquer les bonnes œuvres, c'est lorsque je aime le prochain. J'aime le prochain, même si je ne me porte pas, laissez-moi pratiquer les bonnes œuvres. On regarde rapidement ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 2, le verset 9 et 10. 1 Jean 2, le verset. Le verset 9 et le verset 10. Le verset 9 et 10. 1 Jean chapitre 2, le verset 9 et 10. Se lise ainsi. Celui qui dit qu'il est de la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Est-ce que c'est pas le frère qui est dans les ténèbres? Non, c'est pas le même. C'est pas le bon Dieu. Il y a un monde qui dit rien en lumière. Tandis que le raïf est là, autrement dit le raïf prochain là, le raïf mon qui est à l'entour, le monde sale pas de la lumière, parce que pas de la lumière, vous allez vivre dans les ténèbres. On fait pour l'église, mais on parle de ce qui va avoir beaucoup là, ou pas de fouet qui va avoir beaucoup là, mais il n'y a pas d'église là, tout dans mon vous fâché, hein, ou pas qu'à faire un coup de là, pas qu'à faire un sourire, hein. Pour les choses à gauche, à faire à droite, tandis que nous-mêmes l'église, nous parlons de l'autre, que l'homme n'a pas nous, jalousie n'a pas nous, elle n'a pas nous, nous parlons bien, nous parlons bien, que nous sommes enfants de lumière, non, ou pas enfants de lumière, nous sommes enfants des ténèbres. C'est l'apôtre Jean qui dit. Celui qui dit qu'il est la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Faut pas qu'à fuiter, faut pas qu'à juger. Parce que, où est mes frères là, où était dans la lumière. Monde qui est mes frères là, mon salaire, c'est dans la lumière. Donc, tout le monde qui dit aux enfants de lumière, tout le monde qui dit aux enfants de lumière, c'est monde qui est mes frères. Les frères, c'est la garçon, son façon de parler, c'est la lumière, c'est serviteur, mon Dieu. Mais le tout le monde, le prochain. Jésus-Christ dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si vous parlez de voisins, vous ne parlez pas de famille, vous ne vous souvenez pas de votre propre monde, ou pas de casser le monde, vous ne vous souvenez pas de ces quatre, vous ne vous souvenez pas de l'autre, tandis que l'église n'a bluffé
Nous encore style enfant de ténèbres, malgré nous dans l'église. Nous dans l'église, oui, mais comportement, nous, c'est comportement païen. Comportement, c'est comportement ténèbres que nous n'avons pas de lumière dans nous, nous n'avons pas briller. Donc, nous n'avons pas de témoignage pour nous, parce que nous n'avons pas de nous. Il y a des chrétiens qui sont cassés la caille, et des députés de nos zènes sont cassés la caille, on va tous les lits. Des députés de nos zènes, on va tous les lits, c'est un tel. Des députés de nos zènes, on va tous les lits, on va tous les lits, c'est un tel. On va tous les lits, c'est une église. Et vous n'avez pas de lits, c'est une église. Mon église, donc, vous devez un modèle. Alors, mon Dieu, Madou, pour dire que c'est enfant de lumière, faut qu'on m'aime prochainement, faut qu'on m'aime. Frère là, laisse ça au symphonie. Mais souvent, elle ne peut pas l'aider. Nous allons voir qu'à finir dans Esaïe, chapitre 58, verset 7 à 10. On dit, premier élément, tu as perdu place de l'église pour nous déboucher. Nous sommes dans Jean, dans Esaïe 58, verset 7 à 10. Esaïe 58, verset 7 à 10. Qui s'en est venu dans Esaïe? Ton pain avec celui qui a faim. On va pas nous coucher, on va le faire, il faut le goût et le faire jouer la main. Ça va possible. Hein? Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Vous direz côté pour dormir, vous direz un caille là, vous direz vous avez un caille, deux étages, trois étages, quatre étages, vous avez un caille, quatre, cinq, six, sept, vous avez un côté pour l'été, vous avez un côté pour l'été, vous avez un côté pour l'été. Et là, ça prouve qu'on est bien joué. Si tu trouves un homme nu, couvre-le. Je ne veux pas aller pour le souli, il faut aller pour le dire. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière prendra comme l'aurore. Et ta guérison, j'aime la volonté. C'est là sa lumière, elle brille et ton gloire. C'est là sa sous-malade, la vie dans la nouvelle dignité. Ta justice marchera devant toi. Ta justice, ça, c'est une âme lumière. Les âmes de la lumière de la justice. Lumière, justice, sont à marcher devant, et la gloire de l'Éternel à t'accompagner. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, gloire! Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, ça c'est si tu es mal du milieu de toi, le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, ou bien vous, pourtant vous montez du vous passez à mon dernier jour là, si vous faites ça, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi dans le gros soleil. Ténèbres à effacer. Obscurité de lumière, on dit la clé de ce qu'il est lorsque vous remettez, frère, là, lorsque vous remettez. Prochain, lorsque vous pratiquez les œuvres de la justice. Lorsque vous pratiquez les œuvres de lumière, lorsque vous pratiquez de bonnes œuvres. Donc, du premier bagage là, vous pratiquez de bonnes œuvres, comme vous remettez prochain. En ayant l'amour du prochain. Deuxième et dernier élément, en ayant un bon témoignage devant les hommes. En ayant un bon témoignage devant les hommes. C'est-à-dire, nous sommes qui entourent les hommes. Nous sommes dans le quartier fréquenté, dans le pays fréquenté, dans la zone que nous fréquenté. Quand je parle de mon témoignage, je parle de mon chrétien. Nous avons dit vous prenez tel ou mon frère, vous prenez tel ou mon soeur. Si vous avez une consultation, vous pouvez consulter. Si vous avez une prière, vous pouvez vous lire. Si vous avez une parole qui peut calmer vos souffrances, vous pouvez vous lire. Si vous avez un conseil, vous pouvez consulter. Quand vous avez un frère tel qui est tel côté, soit tel qui est tel côté, soit de bon témoignage dans ce sens-là. Deuxième élément pour pratiquer la justice, nous disons en ayant, parce que les hommes pratiquent les hommes, nous disons en ayant un bon témoignage devant les hommes.
Donc, en guise d'illustration, nous allons considérer un récit biblique tiré du livre de Daniel. Nous allons montrer que Daniel, c'est un monde natal, tout le monde t'a parlé. Il y a des gens qui ont témoigné. Des problèmes dans la société que tu as vécu là. Avec même on était capable de consulter, non, non, c'était Daniel qui ça, parce que il y aura un témoignage favorable. Je vous dis là, est-ce que moi-même, est-ce que nous-mêmes, par côté là, des possibilités pour rendre un témoignage? Vous c'était une question, le bon m'a posé des questions à répondre. Chaque mois, on répond tout ça concerné. Est-ce que vous sûr, dans la zone côtoyée, il y a quatre mois pour témoigner? Il y a quatre frères tels, frères tels, qui ont telle zone, qui ont tel lieu. Allumez-ne, l'étabamine. C'est un frère, c'est une soeur, c'est mon petit bon Dieu, c'est mon frère de lumière, allumez à le consulter. Daniel, problème d'entendre, t'es chargé d'entendre, mais on a consulté Daniel parce que. L'enfant de lumière, il était brillé côté de terre, tout aux alentours, tout le monde était brillé, tout le monde était différent parmi tout le monde, qui était alentour. Parce qu'il y a une différence entre nous et nous qui sommes alentours. Alors, vous demandez, c'est différent. Si vous êtes brillé, si vous êtes assassin d'Israël, si vous êtes associé, hein, si vous êtes peuple acquis, si vous êtes race bénie, une race élue, faut que tout le monde soit brûlé. Ce n'est pas dans la bouche de la ville, mais il faut que tout le monde qui est aux alentours, il faut que capable de ça, que capable de vivre ça, dans le problème quelconque, que capable de faire appel à nous-mêmes. Si nous prenons un niveau ça, et dit la vie, nous avons la lumière, nous sommes enfants d'été. Allons rapidement dans Daniel chapitre 5, verset 1 à 16, pour nous partager rapidement l'histoire. Ces derniers textes, comme je le disais, on a pris, on a pris, on a pris, c'est ça que nous dit. Daniel chapitre 5. Verset 1 à 16. Daniel, chapitre 5, du verset 1er au verset 16. Anna. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Donc, le roi Belshazzar a fait un beau festin. Il y a une toute grande autorité dans le royaume qui est au nombre de 1000. Et il a bu du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, sans service pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, sans servir pour boire, hein. Ils viennent à nous voir, ils font libérer tout le monde à venir, tout beau, bien précieux. Gobier de grande valeur que vous allez dans la carte de Dieu, dans le temps de Jérusalem, amen, c'est la reine qui a boué du vin, voyons fréquent. Amen, ça a passé. Verset 4. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Hein? Vas-ce qu'on a ça y a boué, c'est parce qu'ils sont dans la carte de Dieu. On n'est pas béni, mon Dieu, parce qu'il y a boué dans la carte de Dieu. Le temps dit que ça me semble qui est heureux, voilà, aujourd'hui, il y a un bouvet, il y a un vase sur la carrière de Dieu. Et bien, lui-même, il a béni le Dieu des bois, Dieu des reins, Dieu de fer, Dieu d'argent, Dieu d'or. Bien, toute vieille pile de ça, le royaume babylonien, il a béni toute vieille Dieu ça. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme, et il écrivit en face du chandelier. Sur la chaude de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi s'en va de couleur. Le roi en main, t'as écrit, moi saisi. Le roi m'a dit,
Il va dans le monde, mais ça va dans le monde qui a perdu. Mais c'est changé couleur à plus, il va plus, il va changé couleur, il va commencer à passer là. Quel sortait. Alors, le roi changea de couleur. Et ça pensait le tout même. C'est parce que ça passait dans ma profonde. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Et ses genoux se hérèrent l'un contre l'autre. Genoux va commencer à trembler. Tous les genoux vont frapper. Après, pensant à lui, c'est comme ça qu'il va passer là. Quel sortait. C'est même mon avec lui. Mais pas le monde. C'est inimaginable. Il va jamais vivre comme ça. Il va jamais voir comme ça. Ça va passer pour mais ça sortit. Ça va passer. Verset 7. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues. Hein? Les astrologues, les Chaldéens et les devins. Tout ça, c'est pour donner les deux noms du pavé. C'est la domination. C'est le bagage de la caille. Pour que c'est dépouillé de l'aise à eux. Le roi qui a consulté, il consultait les astrologues, les Chaldéens, il consultait les devins. Et le roi a pris la parole et dit tout ça de Babylone. Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Quel que soit le monde, mais ça qu'a écrit là, m'barre ça écrit qui a été, m'barre contre ça écrit qui a été, y'a un qui dit mais qui sa main ça écrit et qui m'a l'explication ça qui écrit là. Mon sang m'a appuyé, m'a fait coller dans la coule, mon sang m'a pété la troisième position dans la royaume. Ça va être un bon job. Mais que ça t'a passé. Tous les sages du royaume, verset 8, tous les sages du royaume entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Pas bien au devin, pas bien au chaldéen, pas bien au magicien, pas bien au astrologue qui te cap du roi. Mais qui ça met, mais ça met ça sur les là, mais explication. Ça nous va bien écrit, nous va s'en écrire. Ça va pas le passer. Sur quoi? Le roi Belshazzar fut très effrayé. Et pour n'y a qu'un monsieur sorti. Et pour n'y a senti bien, parce que nous avons tout le monde dans la ville. Tout le monde, c'est capable de ces astrologues, de ces devins, de ces grecs. Tout ce que c'est le copain, de ces tout le monde, il n'y a pas expliqué ça qui passe. La reine, verset 10, ça, très bien. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit la parole. Qu'est-ce que la reine dit? Oh, roi, vis éternellement. C'est une façon d'agresser avec moi. Moi, c'est le bon Dieu qui va vivre éternellement. Oh, roi, vis éternellement. Que ta pensée ne trouble pas. Que ta pensée ne te trouble pas. Et que ton visage ne change pas de couleur. Rien de bon espoir, rien de bon parole de délivrance, rien de bon parole de consolation, rien de bon parole d'espoir pour le roi. Quand on va me suivre, tu bleu, qui s'agit, roi? Il y a, verset 11, dans ton royaume, un homme à qui, un homme de préférence qui a en lui, l'esprit de Dieu saint, grand esprit de Dieu d'or, de bois, de reins. Non, il y a un niveau de l'esprit de Dieu saint. Allez encore. Et du temps de ton père, on trouva chez lui de lumière, de l'intelligence et une grande sagesse semblable à la sagesse de Dieu. La parole de Dieu, mais dis-moi ça. Il y a un témoignage pour Daniel. En aller. Ça reste que ça dit. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établi chef des magiciens, chef des astrologues, chef des chaldéens, chef des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Nebuchadnezzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Faut être capable de bon témoignage. Faut que moi qui vous entoure, faut être moi qui est capable de dire, non, qui est capable de dire, non, qui est capable de dire, Daniel,
c'est tout mon appart. Dans la langue, c'est lui-même. Nous dit qu'il a besoin de qualité de manière exemple. Ça veut dire que Daniel soit le capelé, c'est lui-même qui a parlé, et il donnera l'explication. Verset 13. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit d'Asie et qu'on trouve chez toi de la lumière, de l'intelligence et une sagesse. Et une sagesse extraordinaire. Moi, on a eu de l'intelligence, de la lumière et une sagesse extraordinaire. Tu as bien parlé de ça. Et on vient d'amener devant moi les sages et les astrologues avec une luce, cette écriture, et m'en donna l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras ouverture de pauvre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Alors, si vous pouvez répondre plus que cela, dans le cas de la liste, ça va passer plus tard. Dans les textes, ça va tellement intéresser. Ça qui intéresse, c'est que nous trouvons à travers le texte, en tant qu'enfant de lumière, faut le cabrin, bon témoignage pour nous. En ayant un bon témoignage devant les hommes, faut en tant qu'enfant de lumière, elle vous manifester devant les hommes. Bon, que vous êtes capable de parler comme chrétien, comme enfant de lumière. Quel, mes chers amis, a été le cas de Daniel. Alors, en guise de résumé, mes chers amis, nous disons, si j'ai une table de je dis, c'est vous êtes un lien du monde, à savoir nous autres, qui sommes cette lumière des chrétiens de l'Église de Jésus-Christ. Nous disons, en résumé, les chrétiens doivent éclairer tout le monde qui les entoure pour se faire, pour qu'on éclairer tout le monde qui les entoure. Oui, mais ma gars, là, il faut qu'on ait. Il n'y a pas d'infamité de l'encore. Deuxièmement, il faut dépouiller les hommes du ténèbre pour la vie avec âme de la lumière. Troisièmement, il faut que le cas pratiquer les bonnes œuvres pour que tout le monde soit effectivement nous sommes enfants de lumière. Il faut que nous connaissions désormais nous sommes enfants de lumière. Pour nous connaître ça, nous ne sommes pas enfants de lumière, nous sommes enfants de lumière. En tant qu'enfants de lumière, il faut que nous dépouillions les œuvres des ténèbres. Les figures de désert, des ténèbres, mais nous allons habiller nous avec les âmes de la lumière. Et nous finissons habillés avec les âmes de la lumière. Maintenant, nous avons pratiqué les bonnes œuvres. Tout le monde va avoir les bonnes œuvres. Il va parler de nous, il va témoigner de nous. Parce que, par exemple, il faut que la lumière nous soit brillée parmi les hommes, afin qu'ils soient capables de rendre vos témoignages pour nous. Et même, il va glorifier mon Dieu. En retour. Mes chers bien-aimés, c'est avec vos amis, vos serviteurs, le frère Zangas Bonheur. J'espère que le frère a été utile à chacun de nous et que nous allons pratiquer pour nous capables de part à la vie éternelle. Moi, c'est une très bonne semaine et que mon Dieu bénisse chacun de nous. Amen. 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 Maintenant, nous saluons quelques-uns, toujours sans la reprenant le Sahara. Nous saluons les frères Patrick Bonnet depuis le Canada, qui toujours sont avec nous. Frère Gary Foudi depuis la Dominique, bonjour du nom, qui toujours sont avec nous. Et le frère Innocent Carby, Innocent Lazon depuis Chili. Nous saluons, bonjour Mignon, bonjour de soin. Et nous sommes en train de poser une question là. Les gens qui ont des gens qui ont péri parce qu'ils n'ont pas de vérité. Alors, c'est une question, c'est juste. Il y a encore un truc que je fais. Merci, bonjour Mignon. Nous saluons la soeur Anise Hugo depuis le Canada. Et nous saluons le frère Gérald Jean,
Donc Dieu dit nos généraux Jean, nos frères Jean-Édouard Fistelor, Jean-Édouard Fistelor et Chili, bon Dieu dit nous, la soeur Jeffrey Conseil de Haïti, nous savons tout le monde qui vient monter, qui fait commenter, ça ne fait commenter tout. Bon Dieu béni, nous, bon Dieu Prince, nous sommes avec la croix de Dieu. Comme déjà dit, bonne semaine, que bon Dieu bénisse chacun de nous. Bye bye, à bientôt.